Mort du matin. Un peu de soleil, même beaucoup, mais on gèle. L'ordre ne lâche pas depuis la fonte des livres. Même à croire qu'il en reste encore dans les hauteurs, ça c'est sûr un peu, mais c'est quasiment dû pour chauffer encore, peut-être. Bon. Encore une fois, pour aider ou donner quelques conseils ou démontrer que ça peut être fait par du monde. Il y a beaucoup de gens qui voudraient des fois se fabriquer ou travailler la fibre de verre, réparer des morceaux. Ça se fait par du monde. C'est sûr que quand ça fait 25, 30, 40 ans que t'en fais, que tu as développé des astuces, tu as développé certaines méthodes de travail, tu as appris de tes erreurs, puis comme dans n'importe quel domaine. Alors c'est pour vous donner des conseils aux professionnels, chacun sa méthode, chacun ses façons de travailler. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour ceux qui voudraient, à un moment donné, s'essayer, ben, ça peut être utile. On avait parlé qu'on avait mis de la vaseline, ou on aurait pu utiliser de la cire aussi, sur notre modèle, ou dans ce cas-ci, c'est un réservoir, ça aurait pu être sur un moule, afin de faciliter le déboulage lorsqu'on aura appliqué nos résines puis nos matériaux roving, mat, axial, etc. Superposé, etc. Alors voilà ce que ça donne, ça c'est une extrémité de un de nos réservoirs, le deuxième. Voilà ce que ça donne d'un coup, simple petit coup de marteau, ou avec de l'air. C'est sûr que si vous avez de l'air à portée de la main, un compresseur, quelque chose, avec un bec, rajoutez-y une petite sortie, ou dépend du bec que vous avez. Vous infiltrez un peu d'air entre le modèle que vous êtes servi et les pièces que vous avez superposées. Ça lève, un temps de le dire, un petit coup de marteau des fois. Pas trop parce que vous risquez de casser les rebords. Si ça décolle pas, c'est parce qu'il y a un problème. J'en ai pas vu assez ou il y a un trou quelque part. Ici, on a notre emplacement de fitting pour dans le bas. Ici, c'est l'entrée, c'est-à-dire c'est la sortie pour le pompage. Puis l'autre, à l'autre extrémité, est dans le haut. Celle-ci, c'est pour l'admission. Tailleur. On a mentionné aussi qu'on reconstruisait par-dessus une pièce. Donc les dimensions vont être plus grandes, plus épaisses. Si l'emplacement de votre pièce à fabriquer était dans un endroit très serré ou limité par l'espace, prévoir de tailler votre pièce, peut-être un quart de pouce, 3/8, plus petite. Le contour, de l'intérieur du contour pour tailler. Ce qui va, à un moment donné, lorsque vous allez placer votre pièce à l'intérieur des parois que vous avez faites, compresser les extérieurs et vous redonner une dimension similaire à celle que vous avez enlevée ou que vous voulez reproduire. Chose importante. On a parlé de renfort, là, dans ce cas-ci, j'ai taillé mes renforts d'aluminium qui vont être recouvertes de fibres, de mat et quelques bandes de roving. Neuf pièces ici.
plaque d'aluminium qui a servi à boucher le trou et refaire l'accessibilité, mais qu'on pose un autre couvercle, l'accessibilité au réservoir pour nettoyage, visionner ou enlever les sondes, peu importe. Ça va lui permettre aussi, avec, étant donné qu'il est plus grand, de sceller par l'intérieur. Ces pièces-là, ben, vous allez venir à les couper, à les découper, c'est-à-dire. On va aller dehors, parce qu'il n'y a pas besoin de vous dire, quand on travaille dans le fibre de verre, là, les particules dans l'air, le buffer de sablage, c'est comme de la vitre. Ça entre dans les porosités de la peau, dans les pores de la peau. Puis ça graffine, ça démanche. Hier, là, j'ai dit que je me suis gratté une couple de fois, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. C'est pas pire de donner des conseils des fois, mais je ne prends pas les proportions voulues non plus. Des gants, des lunettes. Chapeau, ou une tuque, ou peu importe, un casque, ou une soute, fermée au poignet, fermée aux chevilles. Il y en a qui sont allergiques à la fibre, puis comme je vous dis, c'est de la vitre. Ça pique, puis ça risque même de brûler, puis de causer des dommages sévères à certaines personnes qui sont plus allergiques que d'autres. Faire attention à ça. Dans un endroit bien ventilé aussi, ouvrir les portes. Lorsque la polymération se fait, là, ces produits-là, on se dit que. J'en sais quelque chose, ça nous contamine à l'intérieur, puis ça amène des dommages, ça se répercute, on vit avec. Dans les pièces pour tailler, vous avez des petites meules de pierre, ça fait la job, c'est pas vraiment pratique par le fait que quand vous coupez dans le fil, le bout de la pierre il s'emplit de résine, ça vient tant que ça coupe plus. Il y a aussi le danger que lorsque vous êtes en train de couper avec ces petites pierres-là, ces lames-là, là, ça a à peu près un 16 de paix. Ça ici. Si vous avez le malheur de désenligner ou de trop forcer, la pierre se défait et ça risque de causer des blessures sévères. Ça aussi, j'en ai à quelques endroits. Ça coupe comme un exacto. Alors l'idéal, c'est d'utiliser, c'est beaucoup plus cher, c'est sûr. Une lame avec des embouts de carbone, des tungstène, des pointes de tungstène ou encore des extrémités de diamant. Plus cher, mais ça dure beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus sécuritaire parce que c'est presque assuré qu'elle ne se décomposera pas ou risque pas d'éclater si jamais vous tordez votre outil. Un garde, prévoir un garde. Beaucoup l'enlèvent, moi-même, pour certains outils où ce que le garde est enlevé. Mais c'est ça. Il n'y a rien de pire qu'un cordonnier mal chaussé. Donc c'est pareil pour bien des gens. Mais j'aime autant le dire pour essayer de l'oublier le moins possible. Alors c'est un peu ça pour la fabrication de nos pièces, le démoulage suite à l'application de cire, dans le cas c'est de la vaseline, ça va très bien aussi. Il s'agira par après, la vaseline est quasiment toute détruite quand la polymération s'est faite, mais on va passer un sombler off pour donner du mordant pour l'application du gel coat. Pour complètement étancher la fibre par l'intérieur pour pas que les produits, les liquides contaminants s'infiltrent dans notre fibre et risquent de nous causer des dommages. En tout cas, on prend le maximum de précautions pour avoir le maximum de services à long terme. Bon, ça
Fait que tout à l'heure, on va sortir dehors, on va couper nos pièces, les tailler, puis on va continuer dans l'assemblage de nos réservoirs. À plus tard. Du Paris.